Kadi Faisal. Je suis président de l'association École des parents et des éducateurs. Cette initiative est venue du constat du changement rapide de notre vie quotidienne. Et en plus, aujourd'hui, il y a le changement en Tunisie après la révolution du 14 janvier. Donc, dans ce changement, il y a des paramètres et des liens sociaux qui ont changé. La famille a changé aussi. Et chaque membre de la société, chaque membre de la famille a besoin de se repositionner dans la société et de réorganiser un peu ses relations latéraux avec les autres membres de la famille ou de la société. Dans ce contexte aussi, l'école souffre de beaucoup de maux. Beaucoup de violences sont constatées au sein des écoles, dont la relation élève enseignants, dans la relation parents-enseignants. Nous sommes un groupe de professionnels, médecins, psychologues, éducateurs, enseignants. Nous mettons nos compétences au service de ces sphères, de ces sphères de l'école, de l'éducation, pour venir en aide à tous les acteurs de la vie éducative, de la relation éducative, les parents, les enseignants et les élèves. Comment redéfinir ces liens, comment redéfinir les relations éducatives, comment redéfinir la responsabilité de chaque partenaire de l'opération éducative, comment les parents peuvent réapprendre à jouer le rôle de parents et à suivre leurs enfants dans l'enseignement scolaire, comment les enseignants trouvent un lien éducatif responsables et de l'aide dans leur mission noble qui est l'éducation et l'enseignement. Voilà l'ensemble de nos objectifs aujourd'hui. Bien sûr, nous comptons faire participer tous ces acteurs de la vie éducative dans une discussion collective pour trouver une solution adéquate à cette situation nouvelle où nous pouvons retisser des liens sociaux pour une société meilleure, pour une société où chacun assume sa responsabilité et sa participation au bonheur collectif et à la réalisation du projet individuel.